suis endormie avec mon pull, tout va bien. Ah là, il vient de s'arrêter de neiger et du coup c'est tout blanc dehors. Là ce que j'étais en train de faire c'était le montage du vlog, normalement il est censé arriver à 10h mais bon il est 9h42, j'ai à peine commencé. Donc je pense qu'il sera un petit peu en retard mais bon c'est pas si grave. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, il faut que je tourne des vidéos, il faut que j'aille faire un peu de shopping, il faut que j'aille chercher des colis, enfin bref, pas mal de petits trucs, donc là déjà je vais me concentrer sur mon montage. Bon je sais pas si ça se voit mais j'ai un masque sur les cheveux en fait que j'ai posé la nuit, c'est celui que je vous avais montré que j'avais reçu dans le colis Indies. Sauf que du coup j'ai dormi en fait avec, parce qu'il y avait une charlotte avec, j'ai dormi avec une charlotte et je l'ai perdu en dormant, du coup je sais pas où elle est. Ah là voilà. En fait il y a une charlotte pour le passe pour pas en foutre partout. Là c'est complètement sec du coup ça fait des... Bref c'est un peu dégueu. Du coup il y avait une super charlotte avec. Voilà. Là donc mon vlog est en train de charger. Et au final en fait j'ai pas mis le vlog à 10h. J'ai mis la vidéo sur ma chaîne principale parce qu'il y avait une vidéo aujourd'hui. Petite vidéo bonus voilà comme il y a des vidéos que j'ai pas pu mettre les semaines d'avant. Petite vidéo bonus ce samedi sur ma chaîne principale. Le vlog est en train de charger du coup je mettrai le vlog à 17h. Là il va bientôt être 11h, donc je vais aller me laver les cheveux parce que comme je vous l'ai dit il faut que je filme des vidéos tout ça. Voili voilou et voilà, je vais aller me doucher, me laver les cheveux. Et comme ça je vais pouvoir tester le sèche-cheveux Dyson, donc mon copain l'a allumé. Et puis du coup je l'ai rangé dans sa petite caisse, je voulais pas montrer ouverte la caisse ni le sèche-cheveux d'ailleurs. Parce que j'ai tout ouvert hier, j'ai fait des photos... Insta. Il faut absolument que j'aille me racheter des bananes aussi. Je pense que je passe un petit coup en course. Du coup voilà comment est la boîte. La fille qui n'arrive pas à l'ouvrir. Et voilà comment se présente le sèche-cheveux. C'est vraiment très très bizarre. Et du coup j'ai mis les deux petits embouts là-dedans. Et le gros embout que je me sers quasiment jamais en fait d'ailleurs. Je l'ai laissé dans la grosse boîte. Voilà. Et du coup ça c'est plutôt pratique. C'est une boîte dure et tout. Il sera bien rangé là-dedans. Voili voilou, cette fois-ci, je veux pas vraiment me doucher. Non, juste avant, j'ai envie d'ouvrir le calendrier de l'avant. Donc aujourd'hui, on est le 9. Ah, on a le shampoing qui va avec l'après-shampoing qu'on avait eu. Donc, shampoing aux 5 huiles essentielles. Voilà. Bon alors, je viens de brancher le sèche-cheveux. Donc comme vous voyez, je voulais vous montrer, le fil est assez grand. Et ça, c'est cool. Du coup, il faut que j'enlève ces petits trucs. Donc voilà, il est vraiment grand. Et ça, c'est cool. Donc là j'ai un petit peu une sale tête et en fait il y a juste en fait la chaleur se règle automatiquement je crois. Là vous pouvez avoir l'air froid, là je sais pas si on peut être plus chaud quoi. Enfin bref il y a des boutons, je sais pas exactement ce que c'est donc je vais voir. C'est trop bizarre. Bon j'ai toujours aussi une sale tête, je me suis séché les cheveux là en mode vite fait, ça c'est super bien. C'est trop cool en fait, ici vous réglez le niveau de soufflement, je sais pas comment vous expliquer. En gros ça s'affiche en lumière, j'essaie de vous montrer un petit peu vite fait. Et ici c'est pour la chaleur, voilà, et là si vous voulez faire un air froid. Je déteste l'air froid franchement, ça... Oh, ça me... Surtout que là il fait froid donc j'ai pas envie de mettre de l'air froid. Et c'est trop cool en fait, c'est assez perturbant et je pense que l'air est aspiré du coup d'ici. Mais quand tu vois le truc, tu te demandes comment l'air sort en fait. Mais je pense que ça aspire là aussi, du coup je sais pas si c'est ça ou pas. Je sais pas si vous voyez ici une espèce de grille, en fait elle s'ouvre, enfin on peut l'enlever. Ah il y a écrit filtre. Du coup voilà, mais en même temps il y a un truc ici aussi. Et franchement quand tu vois ça comme ça, tu te dis pas c'est un sèche-cheveux. En fait moi ça m'intriguait trop comment ça fonctionnait. Et je le trouve trop cool. Voilà, je vous ai mis une petite photo Insta. Voilà franchement il est trop bien, j'aime trop et j'adore comme ça souffle là en fait, ça concentre en rond, enfin bref trop bien. Bon alors j'ai bien changé depuis tout à l'heure donc je m'étais séché les cheveux, ça je vous l'avais déjà dit. Et j'ai testé le lisseur que je vous ai déballé l'autre coup dans le vlog, du coup c'est pour ça que mes cheveux sont plutôt bien. Donc c'est le lisseur Remington, donc c'est celui-ci. Super, on voit les toilettes, j'ai mis du produit, il y a le produit dessus. Bref, il est franchement cool. Il lisse super vite, franchement ça s'est lissé hyper rapidement. Vous pouvez bah, contrôler la chaleur, tout ça, donc franchement au top du top. Et normalement à midi, je vais manger avec mon copain au McDo parce qu'il y a le retour du CBO. Donc chicken, bacon, oignon, voilà.
Et ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé du coup, et comme il est de retour, il faut le tester. Je mets un petit pull, voilà, comme je vous dis, j'ai tourné une vidéo, du coup je m'étais mis sur rouge à lèvres, mais pour manger McDo, je pense que je vais le retirer, parce qu'un burger avec un rouge à lèvres comme ça, déjà t'as plus de rouge à lèvres, tu te retrouves avec le rouge à lèvres jusque là, enfin bref. C'est pas terrible, terrible, hein. Oh, ma tête, elle est mieux dans le miroir que dans la caméra. En plus, je suis toute blanc-rose là dans la caméra. Bref. Du coup, j'ai filmé avec mon petit sapin de Noël et tout. Et du coup, dans ma vidéo de lundi là que je vous ai filmé, il y aura un code promo Jewel Candle. Et en fait, j'aimerais bien filmer un petit zoom du bijou qu'il y a à l'intérieur pour mes vidéos. Sauf que, je sais pas si vous voyez, mais ça brûle moins à l'arrière, on dirait. Et le bijou, il est là. Du coup, j'y suis pas encore. Donc, je sais pas si je gratte ou j'en sais rien. Allez, brûle, brûle. Enfin, d'abord, je vais me démaquiller les lèvres. Comme ça, ce sera fait. Je vais envoyer un message à mon copain si on va bien, toujours au McDo. Et puis voilà, donc là, quand je vais me démaquiller, je vais en avoir partout. C'est fantastique. Parce que ça tient plutôt bien, ce genre de rouge à lèvres. Voilà, vous avez une tête de clown. Du coup, c'est plutôt sympa à démaquiller. Et généralement, quand je démaquille un rouge à lèvres comme ça, après, je refais mon teint. Voilà, parce que... c'est un petit peu la catastrophe. Je sais pas si vous voyez, on voit encore que c'est un petit peu rosé autour de la bouche. Voili, voilou, c'est fait. Je suis pas sûre que je vais remettre du rouge à lèvres, hein, parce que comme je l'ai dit, pour manger McDo, y a pas trop d'utilité. Là je laisse ma petite bougie brûler. Finalement en fait, plutôt ce que je vais faire, c'est que je vais monter le vlog qui doit être en ligne demain. Comme ça ce sera fait, parce qu'il faut absolument que ce soit fait aujourd'hui, puisque demain je prends le train à 6h39 pour aller à Paris. Comment vous dire que j'aurai pas le temps de monter le vlog, hein. Puis comme du coup je vous l'avais dit, on ne peut pas compter sur le wifi du train pour publier une vidéo. Bon, j'ai monté mon vlog, du coup là ça charge, il est 13h34, du coup j'ai envoyé un message à mon copain pour voir si on allait au McDo. Du coup j'attends qu'il réponde, je pense qu'il est pas tout à fait encore sorti du boulot. Donc voilà, sinon j'ai préparé mes affaires au cas où. Et puis voilà, voilà. Par contre, j'ai un souci pour le McDo, je ne retrouve plus ma carte étudiante. Et ça fait déjà un moment que je la trouve plus, bien avant le stage. Bien avant les partiels d'ailleurs. Du coup, c'est un peu relou. Je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Bon bah c'est bon, il m'attend là-bas en fait. Tu vois, quand je me dépêche. Bref, let's go. Bon, ça y est, j'ai fini de manger. Le CBO était très bon. Voilà. Mais j'ai l'impression, mes cheveux ont grandi là quand je les lis et tout. Citroën Grand C4 Picasso, 5 ou 7 places. J'avais plus l'habitude vu que je me les attache toujours en stage. Et je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai deux colis à aller chercher. Sauf qu'il y en a un. C'est un truc, j'ai cru que ça ouvrait à 13h. En fait ça ferme à 13h le samedi. Boulet, du coup bah tant pis, j'irai chercher lundi. Mais j'en ai un autre qui est pas si loin de chez moi, donc j'irai plus tard. Puis je pense qu'il ouvre assez tard. Je vais quand même vérifier pour être sûre. Donc là je vais aller en ville, passer à la salle de sport où je vais aller voir pour ma carte et tout. Faire un peu de shopping, je vais aller à Bershka. Je vais voir si je trouve des trucs cadeaux de Noël. Mais j'ai déjà. Pour Lily, c'est fait. Pour Lou, c'est fait. Je sais pas du tout pour mes parents. Et faut pas trop que je le dise, parce que sinon, à un moment après, elle va regarder le vlog. Elle va voir. Du coup, voilà. Donc, j'ai hâte de recevoir les cadeaux et de les emballer et tout. Je vais peut-être reprendre du papier d'ailleurs, parce que je crois que j'ai que du papier Reine des Neiges. Donc, bon. Quoique mon copain avait peut-être du papier. Mais j'ai un cheveu dans l'œil là, ça me perturbe. Sinon le CBO était très bon, voilà. Et je sais sûrement où je pars pour Nouvel An. C'est assez loin d'ici, du coup je suis trop contente. Je vous reparlerai plus tard. Et faut qu'on organise tout ça. Puis voilà quoi. Bref, let's go. Bon, me voilà arrivée, garée. Mais je vais vous montrer se garer sans ses rétros. Genre ça a fait comme une espèce de bulle. Je sais pas si vous voyez, en fait on ne voit absolument rien. Et pour l'autre c'est pareil, du coup je voyais absolument rien. Mais ça va, je me suis bien garée. J'ai foncé dans rien, seul principal. Sinon en allant au parking, j'étais dans ma voiture. Puis j'ai vu qu'il y avait Pauline, je sais pas si vous vous souvenez. On avait fait une soirée dans une boutique Pauline Dress, qui est d'ici, qui est aussi blogueuse, tout ça. Je pense que je vais commencer par la salle de sport. En fait je me rends compte aussi que mon... pare-brise est dégueu, je pense que c'est à cause avec la neige, le sel qui est sur la route qui met et tout. Bref, go. J'ai pris la sortie dans une rue. Je sais pas où est-ce que je vais me retrouver, je sais pas où je vais. J'ai cru que les escaliers, j'allais jamais s'arrêter. Je pense que c'est là, la sortie.
Au final, je suis sortie à l'opposé de là où je voulais me retrouver. C'était un échec. Mais bon, tant pis. Après la marche. Ça y est, la carte, c'est fait. Bon, voilà, de retour, direction le parking. J'ai fait des achats Bershka H&M. Bon, je sors du parking, il y a un gars qui voulait récupérer, enfin deux gars qui voulaient récupérer ma place. Finalement vous êtes garé, puis moi je dis par là, j'y vais. Ah bah non, je redis, bah je suis désolée, je sais plus où je suis garée. Bref, du coup j'ai retrouvé puisque je suis dans ma voiture. Parce que là il n'y a plus du tout de place, en fait il y a trop de monde. Genre il y a des magasins que j'ai pas fait parce que, enfin où je suis rentrée dedans. Et quand j'ai vu la queue à laquelle, je me suis dit, je vais vite un petit tour parce que si je trouve un truc qui me plaît ou que qui plaira à quelqu'un, ça va pas le faire, il y a trop de monde, enfin bref. Du coup Bershka H&M, ça va, c'était raisonnable niveau des caisses et tout ça. Donc bon, je rentre à la maison. Mon copain finit genre dans une heure et quart. Donc voilà, je vous montrerai pas ce que j'ai acheté puisque je compte faire un haul en fait. Donc voilà, sinon il y a un gars qui m'a reconnu, il me dit ah mais tu ressembles à une fille qui fait des vidéos sur YouTube. Et je dis bah oui, je fais des vidéos sur YouTube. Voilà voilà. Sinon j'ai résisté parce qu'il y avait gaufres, crêpes, choses, enfin tout ce que vous voulez quoi. Les petits trucs du marché de Noël. Ça sentait trop bon. Mais non, on va pas manger McDo plus des gaufres, churros et tout le tralala. Bon. Oh, je suis floue. À la base je voulais passer à l'Intermarché. Sauf qu'en fait, y a le Lidl qui est pas loin de mon relais colis. Du coup je pense que je vais aller au Lidl. Voilà. Enfin qui est pas loin, qui est juste à côté à pied quoi. Je suis sur le parking du Lidl, je peux aller aux deux trucs à pied quoi. En fait c'est un truc trop bizarre, j'avais reçu un mail de GLS donc qui livre les colis me disant que j'avais un colis à l'Intermarché depuis le 30 novembre, sauf qu'on me l'a envoyé jeudi le message me disant qu'il faut que je me munisse de l'avis de passage. J'ai jamais eu d'avis de passage me disant qu'il y avait un colis là-bas. Du coup je sais pas si j'y passe. Je crois que je vais y aller finalement à l'Intermarché parce que j'ai bien envie de savoir s'il y a vraiment mon colis là-bas. Et si un colis, qu'est-ce que ce colis, parce que j'en ai aucune idée. Bon, j'ai récupéré mon colis, le gars c'est content parce qu'apparemment il a trop de colis avec Noël et tout. Je pense que c'était mon colis à sauce. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai complètement zappé. Mais en fait, j'ai commandé jeudi. Puis du coup, je l'ai reçu hier, mais vu que j'étais pas chez moi. Du coup, je l'ai là, vu que j'ai la livraison en 24 heures. Et du coup là je vais aller à l'Intermarché finalement, donc je pense que je vais faire mes courses là-bas. Enfin mes courses. Ce qu'il me faut principalement c'est des bananes pour le matin. Sinon voilà quelques petites bricoles. Et voilà. Bon 17h13, je viens de rentrer, il y en a partout. Et regardez ce que j'ai fait comme boulette. J'ai fait tomber l'aspirateur, du coup c'est le truc où il y a tout, bah, toutes les saletés qu'on aspire. D'ailleurs qu'il faudrait sûrement vider. Et bah voilà, cata, je l'ai fait tomber. Bon, j'ai nettoyé ma bêtise. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en le reposant là, je l'avais posé de l'autre côté sur le mur en appuyant. Et j'en ai marre de moi. Je voulais juste vous montrer en appuyant ici que c'est là que ça s'ouvre. Je vais le réouvrir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'aspire une troisième fois ce que je viens de faire. Je sais pas si le concept de cet aspirateur, finalement, c'était bien de le mettre de sens là parce que c'est du sens où, bah, en fait, ça se verse par terre. Tout va bien se passer. Je vais me détendre, je vais pas aspirer avec le grand truc, je vais faire avec un petit embout, ce sera plus simple, mais waouh. C'est donc la troisième fois que je vais aspirer le truc que je viens de sortir de l'aspirateur. Tout va bien, on se détend. Bon, cette fois-ci, je ne touche plus à l'aspirateur, il est là, il restera là-bas. Bref, du coup, j'ai fait l'achat chez H&M, pas vite fait, plus chez Bershka. Du coup j'ai mon colis à sauce qui sera pour le haul. Ensuite à l'Intermarché. Non mais j'en pouvais plus, il y avait trop de monde aux caisses et j'avais pas de sac rien. Du coup j'étais là avec au bout des doigts mes 2 kilos. Donc ça c'est les oranges à dessert, donc 2 kilos d'oranges. Plus les 2 kilos de mandarines. D'ailleurs les 2 kilos de mandarines sont moins lourds que les 2 kilos d'oranges. C'est le même poids hein, mais moi je peux vous dire qu'entre les deux... Il y a un peu plus de 2 kg d'orange ou un peu moins de 2 kg de mandarine, j'en sais rien, mais il y en a un des deux qui est moins lourd que l'autre. Ensuite j'ai pris mes bananes parce que c'était quand même à la base pour ça que j'allais faire des courses. J'ai repris les soja coco, celui que j'ai adoré, il me semble que c'est, que je me trompe pas j'espère. Ceux-là qui ont des petits morceaux de coco à l'intérieur que j'adore. J'ai pris la concoyote, je voyais qu'elle était à peine moins chère et en fait regardez, je sais pas si vous allez voir, mais il y a tout ça, il n'y a pas de concoyote, mais bon ça me suffira moi largement. Parce que je suis un peu la seule à en manger. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris je crois. Non j'ai pris un autre truc normalement. Où est-il passé? Il est là. Et deux autres trucs normalement.
J'ai pris du soja cuisine pour changer un peu de la crème et pour que ce soit un peu moins, c'est un peu moins gras. J'ai repris aussi du pain de mie complet sans croûte. Et ensuite, donc j'ai pu récupérer mon collier à l'Intermarché, il était bien là. Parce qu'il m'avait dit par mail qu'il le gardait qu'une semaine après la date de dépôt, donc c'est-à-dire le 30. Donc la semaine est passée, hein, voilà. Mais du coup j'étais contente, il était bien là. Donc au final j'ai bien fait d'y aller. Et c'est trop bizarre parce que j'ai pas eu d'avis de passage quoi. Heureusement qu'il m'a envoyé le mail. Du coup... Donc j'ai reçu la Botanical Beauty Box de Yves Rocher, Piment des Bois. Elle est trop mignonne, donc ils ont fait une petite box, donc je me suis dit, j'ai trop envie de tester, de voir ce qu'ils ont mis à l'intérieur. C'est une carte à planter, détachez le cœur de la carte. Plantez-le dans le jardin ou chez vous dans un pot, dans un espace ensoleillé, arrosez régulièrement. Si vous avez bien travaillé, de jolies pensées apparaîtront après quelques jours. C'est trop cool ça je trouve. Donc on a ce petit pot, je sais pas, c'est... Je vais dire que c'est pour les fleurs, mais non, en fait, c'est un truc en bois. Je sais pas, genre, c'est un peu genre pot à crayon. Donc, on a l'espèce de petit menu, je pense, comme les autres box, je sais pas trop. Et la carte à planter, elle sera tous les mois. Enfin, tous les mois, il y en aura une différente et je trouve ça trop bien. Et ensuite, bah, nous avons les petits produits beauté. Donc, on a un mascara sourcil. Donc, je sais pas si je vais l'utiliser comme mes sourcils sont en... micropigmentation. Ensuite on a un petit fard à joues blush assez pailleté. Ensuite qu'est-ce qu'on a, un jumbo couleur végétale, donc ça pour les yeux, la couleur a l'air trop belle, il est un peu or rosé on va dire. Ensuite nous avons un petit pinceau comme ça pour le blush et nous avons le grand rouge, l'élixir. Je connais pas du tout ceux-là de rouge à lèvres de chez Yves Rocher, je pense que c'est un rouge à lèvres liquide. Ça c'est cool, voilà pour cette petite box, donc je suis plutôt contente. Et ensuite, il y avait un colis Octoly dans la boîte aux lettres. Il y a un truc que je comprends pas trop là. J'ai la même box. Je sais pas, commandé deux fois quand même. Mais ouais, je sais pas, il y a un truc que je comprends pas. Bref, en tout cas voilà, maintenant il y a du bazar partout. Je vais ranger mes courses. Je vais mettre les colis de côté pour que je puisse vous filmer le haul. Je pense que je vais vous filmer ça la semaine prochaine. Et voilà, j'aurai encore du coup un colis à aller chercher bah, lundi. Et du coup, comme j'irai, ça y est, ma carte de sport remarche, je vais pouvoir aller à la salle. Et donc la salle Liberty Gym au centre-ville ouvre lundi, du coup je sais pas si je vais aller à celle-ci ou pas, on verra. Voilà. Du coup, je vais m'occuper de ranger tout ça, me poser un peu, faut que je prépare mes affaires pour demain, puisque demain, comme je vous l'ai dit, je vais à Paris. Donc je vais vous laisser pour ce vlog et on se retrouve demain pour le vlog du meet-up. Bisous.